Filipa Leal vem à quinta-feira. Entrevista de emprego. Desculpe, tem toda a razão. Não pensei que este fosse um aspecto impeditivo, prejudicial ao nosso relacionamento. Claro, claro, ao nosso relacionamento profissional. Tem toda a razão. Devo ter cuidado com as palavras, sim. E o senhor? O senhor gosta de palavras? Não, mas tem ao menos cuidado com elas. E de mulheres? O senhor gosta de mulheres? Pergunto. Trata-as com respeito? O senhor sabe pontuar uma conversa? Pergunto. Sabe fazer as pausas certas? Entretien d'embauche. Excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas pensé que ce serait être un motif de contrariété. Préjudiciable à notre rapport, bien sûr. Bien sûr, notre rapport professionnel. Vous avez tout à fait raison. Je dois faire attention aux mots. Oui. Et monsieur? Est-ce que monsieur aime les mots? Non, mais y prêtez-vous au moins attention. Et les femmes? Monsieur aime-t-il les femmes? Je demande. Les traitez-vous avec respect? Monsieur sait-il ponctuer une conversation? Je demande. Savez-vous faire les pots justes? Desculpe, tem toda a razão. Quem faz as perguntas aqui é o senhor. E eu respondo, claro, se souber, mas sei pouco. Tem toda a razão. Sim, sou formada em letras. Desculpe, sim, sim, gosto de línguas, sim, mas não da sua, confesso. Desculpe, desculpe, é que de repente pensei que pudesse estar a interpretar-me mal com o duplo sentido da palavra língua. Sabe como é hoje em dia, todo o cuidado com a palavra é pouco. E eu tinha acabado de lhe perguntar se gostava de mulheres, podia soar a sedução. Na verdade, só procurava saber se o senhor era machista. Desculpe, fui indelicada. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Celui qui pose les questions ici, c'est monsieur. Et j'y réponds, bien sûr. Si je sais, mais je sais peu. Vous avez tout à fait raison. Oui, je suis formé en lettres. Excusez-moi. Oui, oui, j'aime les langues. Oui, mais pas la vôtre, j'avoue. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est que soudain j'ai pensé que vous pourriez être en train de mal me comprendre avec le double sens du mot langue. Vous savez comment c'est de nos jours. Toute attention à l'égard du mot n'est de trop. Et je venais juste vous demander si vous aimiez les femmes. Ce qui pourrait sonner comme de la séduction. À vrai dire, je cherchais juste à savoir si monsieur était machiste. Excusez-moi, j'étais indélicate. Sim, tem toda a razão. Eu gosto é de livros. Eu gosto é das notícias que não vêm nos jornais. Eu gosto é de histórias de encantar, mas olhe que há algumas bem cruéis. Não, não são só as de terror. Olhe que o terror às vezes está aos pés da câmara. Não, não, eu disse câmara. Ouviu bem. Achei que se dissesse cama, podia voltar a baralhá-lo. E daqui a pouco ainda pensava que tem algum interesse em si. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que j'aime, ce sont les livres. J'aime les nouvelles qui ne figurent pas dans les journaux. Ce que j'aime, ce sont les histoires qui enchantent. Mais notez, il y en a de bien cruelles. Non, il n'y a pas que celle de terreur. La terreur se trouve parfois au pied de la chambre des députés. Non, non, j'ai dit chambre des députés. Vous avez bien entendu, j'ai trouvé que si je disais chambre, j'aurais pu à nouveau vous embrouiller. Et bientôt, vous auriez encore pensé que j'éprouve quelque intérêt à votre égard. Tem razão, tem toda a razão. Não me lembrei de destacar esse aspecto no currículo. Não pensei que escrever poemas fosse uma condenação curricular. Mas já que pede a minha opinião, compreendo que o senhor não há de precisar de uma pessoa como eu. Repare, eu gosto de olhar para o seu, ora já frio. Não, não, eu disse frio, ouviu bem? Pareceu-me o termo adequado a este algo. E sim, tem toda a razão. Eu não devia tê-lo feito perder o seu tempo, desculpe. Desculpe não lhe ter dito mais cedo que só sei ler e escrever. Desculpe não lhe ter dito mais cedo que sou apenas o contrário de um analfabeto. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. J'ai omis de souligner cet aspect dans mon curriculum. Je n'ai pas pensé qu'écrire des poèmes était une condamnation curriculaire. Mais si déjà vous me demandez mon avis, je comprends que monsieur ne va pas avoir besoin d'une personne comme moi. Remarquez, j'aime regarder le ciel des heures dans le froid. Non, non, j'ai bien dit froid. Vous avez bien entendu. Le terme m'a semblé approprié à ce dialogue. Eh oui, vous avez tout à fait raison. Je n'aurais pas dû vous faire perdre votre temps. Excusez-moi. Excusez-moi de ne pas vous avoir dit plus tôt que je sais juste lire et écrire. Excusez-moi de ne pas vous avoir dit plus tôt que je suis juste contraire d'une analphabète.